Bonjour Internet. Ça va? Oui. Ah, je m'attendais pas spécialement à une réponse, hein. Bref, je sais pas si vous avez remarqué... Bah quoi? Toi, quoi? Comment ça? Gnégnégné, je sais pas si vous avez remarqué. On dirait les youtubeurs de 40 piges qui font des vidéos sur la rentrée. Ouais, tranquille. Je pense que ça se remarque assez sur ma chaîne. Y'a pas beaucoup de vidéos. Et c'est pas mal frustrant entre les hors-séries qui peuvent vite tourner en rond et les recettes qui me prennent 5 plombes pour trouver des sosies potables. Croyez-moi que c'est pas toujours facile. Parce que oui! Bon, il va pas jouer tous les rôles! On va faire comment pour la recette Mambaloud? Vous l'aurez compris, il me fallait impérativement d'autres concepts. Je me suis donc dit que de temps en temps, ça me ferait pas de mal de parler d'un rappeur sans forcément rentrer dans son personnage et limiter à la fin. Ah, je suis totalement d'accord, t'es pas obligé de rentrer dans le personnage. Bah, ça, ça fait plaisir. Merci, Jacob. Ça me rappelle ce vieil adage qui dit: c'est pas parce que tu douches avec ton pote qu'il y a capote. Bah bon, allez, générique. Ouais, c'est ça, générique. Pop these niggas like a willy nigga. You a silly nigga in the hood with them billy niggas and them hoover niggas. You run up and they shooting niggas. We ain't hooping niggas. We about all my niggas really gang bang. Talk that damn slang. Rap about it, do the same thing. Let your nuts hang. We gon' pull up nigga on the lake. On soccer. Désolé. Ça, c'est les effets secondaires de quand on écoute du 6ix9ine. Je t'en veux pas. J'ai à peu près la même réaction quand Agathe Opro, elle parle de foot. Ça, c'était gratuit, gratuit. Donc, Daniel Hernandez, a.k.a. Tekashi, a.k.a. 6ix9ine, est un rappeur américain nous venant tout droit de Brooklyn. Il a 21 ans, ressenti 37, et le truc qui explique son succès fulgurant, c'est qu'il y a beaucoup trop de trucs inexplicables chez lui. La première remarque qui me vient spontanément à l'esprit, outre le fait que l'expression t'a sucé un clown a enfin sa représentation officielle, c'est pourquoi tu cries. Why are you screaming? J'ai écouté l'intégralité de ta dernière mixtape et à aucun moment tu veux te calmer. La Jaja et Dinazri n'est donc jamais finie. Et j'ai deux hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer cet excès de décibels. Alors premièrement, soit t'es un putain de sadomaso. Soit ton manager a trouvé un moyen efficace de te mettre hors de toi. Hey yo, Tekashi. Yeah, what up? Check this out. Et des fois, je dis nine. Bon, en vrai, que sa musique incite des gens à exploser des trucs sur leur bureau, ça c'est pas dérangeant. On s'y fait très bien, je peux vous le confirmer. Mais il y a plein d'autres éléments chez cette créature qui m'intriguent. Déjà son blaze, 6ix9ine, ça veut dire 69. Je vais pas vous faire un dessin. Ah. Ah bah trop tard. Et si c'était qu'un blaze, là encore ça irait. Mais le truc c'est qu'il s'est tatoué 69 200 fois sur le corps. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et encore une fois, y'a qu'au Stes que tu peux voir un mec se tatouer avec autant de fierté des positions sexuelles sur le corps. En France, jamais de la vie on aurait accepté un truc comme ça. Ouais mais jugez pas, mon corps m'appartient, ok? Ouais peut-être ton corps t'appartient, mais c'est pas qu'un problème de forme chez 6ix9ine. Dans le fond, le type il est encore 100 fois plus dérangé. Baby I ain't a hot boy, I'm a black boy. I'm a black boy. I'm a black boy. Casse-toi. À qui tu veux mentir comme ça? En vrai, tout cet aspect rappeur chelou, un peu borderline, c'est très très loin d'être atypique de nos jours. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique d'une confusion qui prend de plus en plus de place dans le rap jeu actuel. Cette confusion en question, c'est celle qui consiste à penser que plus un rappeur est chelou, plus il est original, plus il a son délire, son univers, gnagnagna. Mais les gars, être chelou, c'est pas forcément synonyme d'être original, hein. Parce que croyez-moi que si c'était déjà le cas, moi j'aurais été producteur depuis très très longtemps, et je vous aurais pondu des trucs du turfu. S'il y a des labels qui sont éventuellement intéressés par l'offre, mes DM sont ouverts. Les 2000 aussi d'ailleurs, faut venir. Tu es dégueulasse, Jacob. Eh ouais, c'est en CFA qu'on déniche les meilleurs talents, mon gars. Je reformule, t'es un giga dégueulasse, et ça pour le coup, ça te fait un point en commun avec 6ix9ine. I'm 21 now. Mm-hmm. It's 3 years ago, right? You know what I'm saying? I had an underage girl in a video, right? And you know. Shit happens, you know what I'm saying? Je sais qu'il y a des gros fans de 6ix9ine qui sont sûrement en train de regarder cette vidéo et qui sont prêts à partir au djihad des pouces rouges pour lui. Mais les frères, 6ix9ine, il a été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur mineur en 2015. Et il a pas juste été reconnu coupable, il a plaidé coupable. Ce qui veut littéralement dire que devant le juge, il a dit: bon ok, il y a eu touche pipi, bon, est-ce que c'est... voilà,
Alors loin de moi l'envie de remettre en question ces skills de rappeur pour des faits qui ont déjà été jugés, mais je vais pas vous mentir, depuis que je suis au courant de cette histoire, il y a beaucoup trop de questions qui fusent dans ma tête. Déjà pour commencer, c'est quoi cette cover de mixtape? Tu veux finir sur Gulli? Pourquoi le nom de la chaîne où tes clips sont postés s'appelle Fuck Them? Vas-y dis-nous, on doit fucker qui? Et pour finir, c'est quoi ce délire avec le nom de tes tracks? Booba, Doui, Keke, Chocolat. T'essaies de draguer des Teletubbies, c'est ça? Tu veux faire les flammes sur Snapchat avec Tiki Wiki? Bon, de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo et j'ai pas envie de finir sur une note, comme on dit déjà, Zaf. Loin de toute cette violence, je vous propose de terminer sur une compilation de toutes les têtes kawaii que 6ix9ine a pu faire dans ses clips. C'était Masqué pour un tout nouveau format. Au revoir.